Eh les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek, ça a l'air super. Yo tout le monde, Sofiane le Geek, et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le jeu Dragon Ball Legends. On va partir en PvP avec une team assez particulière, alors une team LOE, mais avec en leader Badaku. Voilà, Badaku, vous savez très bien, c'est le perso que je préfère dans la licence de Akira Toriyama dans Dragon Ball. Donc voilà, je me suis dit, vu que quand il prend la place de leader dans la team et que tu pars avec lui au combat, eh bien, il va bénéficier de toutes les KZ des autres personnages. Donc ça, pour le coup, c'est très intéressant. Et puis voilà, alors certes, il y en a, ils vont me dire, bah, t'aurais pu prendre mieux, il y a le tag Goku Blue, Vegeta Blue LF, qui est meilleur que Badaku, oui. Mais moi, j'ai envie de jouer avec Badaku. Voilà, c'est comme ça. J'ai envie de me faire plaisir. Je joue au jeu avant tout pour me faire plaisir, comme j'avais pu le dire hier en live. Donc voilà, je pense que je vais prendre le Badaku accompagné du Freezer LF type jaune et le Freezer Revive que j'ai monté à 7 étoiles. Voilà, je l'ai pesé 7 étoiles. C'est vraiment très fort. Voilà, clairement, c'est vraiment très fort. J'ai hâte également de Zenkai 7, le Freezer Full Power type jaune. Comme ça, je calerai dans la team et au moins, il boostera le Freezer LF de type jaune également. Voilà. Bon, bah, les amis, on est parti comme d'habitude. Max et 2 pouces bleus en mode Genki Dama. Yeah! Première game de cette vidéo. Alors, on tombe quand même sur une grosse team en face. Là j'hésite, là je vais prendre, je pense, Badaku, mais je pense que je vais prendre Shield et puis le Freezer Revive. Je vais pas prendre tout de suite là le Freezer LF, comme ça on va voir un petit peu ce que ça donne également Badaku avec son ennemi Shield ensemble dans la même game, tout simplement pendant le combat, et on va voir accompagné de Freezer Revive ce que ça donne. Allez, let's go. On est parti. Ok, là je suis pas très bon là. Dans la tempo, j'ai pas été très bon. Bon voilà, Shield, c'est intéressant quand même hein, face au Mirai Gohan de type jaune. Je suis pas bon là dans les tempos là. Je suis pas bon du tout dans les tempos là. Bon, c'est la première, hein, c'est normal. Ok. Il a mis le Végéto. Ok. Très bien. Donc là, par contre, là, on peut mettre l'aspect direct. Ouh, ouf, presque midlife. Oula. Ouh là 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 là. Ouais, bah voilà, hein, voilà, voilà, voilà. Hein. Ok, bien, ouais. Il a mis le Mirai là-dessus. Je pensais pas qu'il allait mettre tout de suite. Ok, bon, il me l'a fumé. Par contre, ça a été très intéressant ce qu'on a vu avec Shield au niveau des dégâts. Forcément, hein. Badaku, voilà. Badaku, là, il tank. Hein. Il tank. Il tank, et s'il y a un Rising Rush, ça passe. Oh, les dégâts. Bon. Bon, bah, 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 bah. Non, mais les gars. Oh, là, là. Oh, là, 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 c'est... Ouf. C'est insane, c'est totalement insane ce qu'on est en train de voir là, c'est D'accord, d'accord, d'accord. Voilà, qu'on me dise maintenant que Badaku il est pas bon, hein, voilà. C'est pas le meilleur des LF, mais alors franchement, là ce qui vient de coller dans cette game les gars, je pense que là, ça va. Par contre là aussi, je suis en train de me faire désinguer la tronche là, mais bon, mais ça va, ça va. Il y a le revive, voilà, c'est ça qui est intéressant. Non mais là, Badaku, ce qu'il vient de mettre, c'est affolant. Ok. Ok, c'est bon. Ish. Voilà. Ok, ok, ok. On va mettre Badaku et puis bon, bah là, il va tanker. Voilà. Non, Badaku, c'est très fort, là. C'est très fort. Avec la méta actuelle, il est très fort. Il est très fort. Franchement, il est très fort. Là, regarde, ça va même pas tuer, donc je m'en fiche. Voilà. Et après? Ok. Allez, un en moins. Ish, voilà. Ça, c'est réglé, c'est à la cuisine. Oh, pas mal. Il a avancé, il a fait un pas de côté. Je m'y attendais vraiment pas. Très bien. Très très bien. On se soigne.
Ok, très bien. Perfect dodge. Mais normalement, je suis tranquille. Hein. Il pourra pas le kill. Il pourra pas le kill. C'est mort. C'est fini pour lui. Voilà, bye bye. Bye bye, il fait trop de dégâts. Il fait trop de dégâts, le Badak. Le Badak fait tout simplement trop de dégâts. Alors qu'en plus, j'ai fait vraiment pas mal d'erreurs hein, dans cette game. Hein. Voilà, c'est la première game de la vidéo. Franchement, je trouve que là, le Badak, il a été impressionnant. Dans la team LOE, comme ça, tu le mets en leader. Je trouve qu'il a vraiment été impressionnant. Et franchement, bah là, je prends du plaisir. Voilà, jouer avec Badak, et bah, je prends du plaisir. Allez, game suivante. Alors, ok, bon. Cette fois-ci, je vais pas prendre de shield. Voilà, je vais prendre le Freezer LF type jaune, comme ça on va voir un petit peu ce que ça va donner. Il a une belle team également en face, hein. Il y a le Gogeta Ultra 8 étoiles, bon bah voilà, il l'a pris hein, forcément. Et il a pris le Vegeta Zenkai 14 étoiles, et il y a quand même un Gogeta Blue à 12 étoiles LF. Ok, bah va pas falloir bégayer, hein. ça va pas être de la tarte hein, je pense, mais bon, allez, Zion, ha, ça c'est stylé les intros d'Ultra, franchement je m'en lasse pas. Ok, très bien. Ok. Ouf. Il a fait mal, là. Ish. Donc voilà, la Freezer LF. Alors, ok, bon, j'ai rien dit. Parce que ça avait sélectionné la Blast automatiquement. Et c'est pas vraiment ce que je voulais. Ish. Freezer Revive. Bon, il y a un petit peu de lag. Hein. C'est pour ça, là. Il y a des trucs qui vont pas. Bah, mais forcément. Il y a un petit peu de lag dans la game. Mais bon. Ok, très bien. Ça lag un peu. Franchement, ça lag un peu. C'est assez relou. C'est assez relou. Ok. Ok, bon bah voilà, bah si tu veux, il mourra pas. C'est le revive, donc c'est ça qui est intéressant, c'est que, bon bah de toute façon en plus je suis contre, mais bon, il serait pas mort de toute façon quoi qu'il arrive. Ah, j'ai pas pu esquiver après. Ok, voilà, il revient, donc il a déjà utilisé le Rising Rush. Bon bah ok. Par contre, franchement ça va pas au niveau de la connexion là. On va se ressaisir un petit peu quand même, parce que là, il est en train de me faire bobo, le garçon. Je pense qu'il va mieux kill. Je pense qu'il va mieux kill avec le Gogeta Ultra. Il était bien étoilé. Eh ouais, il me le kill. Ouf, bah donc là, il l'a bien calmé. Hein. Là, il l'a bien calmé. Hein. Bien ouais, je la tape attaque, bien ouais. Ok. Ish. Ok, parfait. Ok. Perfect dodge. J'arrive pas à bien attendre la tempo. Parce que bah la connexion n'est pas bonne. Mais bon. Ok, il lui reste 3 persos, j'ai plus que Badak. 1v3 avec Badak. C'est genre le mec. Enfin. C'est genre le mec, on peut peut-être le faire le 1v3. Hein. Vu que là, le Rising Rush est passé. Et ça passe. Sait-on jamais. Allez, 1v2 maintenant. Ça va pas être gagné, mais ça va pas être facile. Oh. Parfait, ça. Ok. Ok. Allez, on se concentre. Badak, tu rentres dans la légende ou pas? Badak, tu rentres dans la légende ou pas? Ish! Moins 2! Allez, plus qu'un! Badak, vas-tu rentrer dans la légende, mon garçon? Ok. Ça tue pas, normalement. Il va me rester un peu de vie, normalement, ça tue pas. Normalement, ça tue pas. Ok, let's go. Ça tue pas, on t'a dit. Y a pas d'élève. Badak. Badak, la légende. Allez. La vitesse de pioche est augmentée, là. La vitesse de pioche est augmentée, là. Voilà. Encore. Encore.
Encore mon garçon. Encore mon garçon. Encore. BOUM. Badaku. Qui ose me dire maintenant qu'il est pas bon Badak? Il a fait un 1v3 les gars. Remontada de Badak nu. Voilà. Wouah, ça fait plaisir. Vous voyez là, je prends du plaisir à jouer avec un perso que je kiffe. Voilà, tout simplement. J'ai fait une remontada avec Badak LF. Incroyable. Un 1v3 avec Badak LF. C'est ça qu'on aime bien dans le jeu de Bay Legends. Voilà, là je prends du kiff, là je prends du plaisir. Ah, ça fait vraiment kiffer. Bon, j'espère que cette fois-ci, ça va pas laguer, hein, comme la game d'avant. Voilà, je prends ces trois-là. J'ai fait une game juste avant, je vous la mettrai pas, j'ai perdu le combat, c'était injouable. Voilà. Message, connexion instable, je pense que c'était clairement un cheater. La game, elle a duré 20 ans. Voilà, c'est bon. On est habitué à les Dragon Ball Legends, hein, donc voilà, je vous la mettrai pas pour pas vous faire perdre votre temps. C'est pas le but de regarder des trucs où le perso il reste comme ça sur place parce que ça lag. Enfin bon, bref. Allez, ça passe. Bon, c'est déjà plus fluide que tout à l'heure. Hein. Purée. C'est le jour et la nuit. Hein. Ish. Bon, c'est pas mal là ce qu'on fait là encore à Ibadak là. C'est pas mal du tout même, j'ai envie de vous dire, là. Boum. Ok. Ça aussi, ça c'est pas mal. Cette petite tempo que je viens de coller, là. Ok. Pas mal du tout. Il l'a mis. Ok. Badak. Ish. Oh les dégâts. Oh les dégâts monsieur. Ah, il l'a déjà mis. Je pensais pas. Là c'est insane là ce qu'on vient de voir là. Encore une fois hein. Badak quoi. Par contre là j'ai pas pu avancer. Bon ça passe mais mon dash avant n'était pas passé. Il n'y a que le dash sur le côté qui était passé. Ish, voilà. Ça dégage, Badak, voilà. Merci, au revoir. Freezer Revive. Parfait dodge, bon voilà, voilà. Parfait ça. Parfait, c'est clean, hein. On est sur un perfect. J'ai pas perdu de vie là, je crois. Je vais voir si je peux LF. Il a pas esquive. Ah là là, j'ai voulu anticiper le pas de côté pour LF. Ça l'a pas fait. Bon, c'est pas grave. C'est pas bien grave. Allez, tape si tu veux. Mais là, mon garçon, j'ai envie de te dire. C'est fini là. C'est fini. C'est fini. Ok. Très bien. Ish. Et voilà, là encore une fois, on a vu un Badak en action extraordinaire. Voilà, je tiens à la redire, c'est un perso LF à 6 étoiles qui casse de la bouche. Là actuellement, ce qu'on voit, c'est du cassage de bouche. Belle voilà. Team en face encore, le Gogeta Ultra. Bon, je vais prendre quand même ces 3 là, voilà, on prend toujours les 3 mêmes et on repart pour un tour. J'espère encore avoir un Badak de fou furieux, voilà, ça serait plutôt bien. Ok, très bien, il a pris le tag, il a pris le Gogeta Ultra et le Vegeto Zenkai. Ok, faut que je fasse attention avec le tag parce que quand il switch sur Vegeta, les types jaunes, c'est pas très bon. Clairement, je ramasse après. Donc, faut que je fasse gaffe une fois qu'il switch sur Vegeta, quoi. Ok, très bien. Très bien. Parfait. Ish. Parfait. Parfait. Il va ramener une carte. Ok. Parfait. Oh là là, la tempo que je viens de lui coller là. Let's go. On est bien là. Là, franchement, là, on est bien. Ish. Ok. Ça passe. Il a mis le Gogeta. Très bien.
Ça devrait me défoncer un peu là. Ouf. Ça m'a cassé un peu la gueule là. Ça m'a cassé un peu la bouche. Ok, parfait. Ish. Ish. Badak, badak, badak. Badak, badak. Parfait ça. Ça c'est parfait ça. Ça c'est parfait mon petit. Alors faut que je fasse gaffe à son Vegeta. Parce que là, vous voyez, bah, les dégâts, quand t'as du jaune, c'est pas terrible. Par contre, là, c'est déjà mieux. Parfait. Voilà. Oh, et puis je vais Rising Rush, hein, je vais pas me casser la tête. Hein. Voilà. Let's go. Allez, me le contre pas, ça serait bien sympathique. Encore une fois, là, on voit que la team... c'est bon, c'est pas contré. On voit que la team, voilà, ça se déroule plutôt bien. Clairement, un badak encore de folie. Et puis accompagné là voilà des deux freezers là je trouve que ça c'est comme sur des roulettes voilà clairement parfait bon bah voilà bon bah ça va être terminé pour lui et voilà bon bah voilà il a rage quit et bah écoutez j'ai envie de vous dire qu'on a vu que ça roule nickel une team comme ça voilà team LOE avec Badak la légende en leader. Quand même, mais j'ai fait une grosse game tout à l'heure, hein, un 1v3 avec Badak, avec une remontada de fou. Voilà, ouais, bah, franchement, ça fait kiffer, ça fait plaisir. Et je pense que, voilà, beaucoup de personnes devraient faire la même chose, jouer avec les joueurs, les personnages qui vous font kiffer. Parce que là, clairement, j'ai pris beaucoup de plaisir, alors qu'à un moment donné, il y avait une game où ça laguait, etc. Voilà, mais en soi... Bah, le reste des games, c'était plutôt cool. Et franchement, ça fait kiffer. Donc voilà, comme d'hab les amis, max de pouces bleus sur cette vidéo en mode Genkidama. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait en activant la cloche pour recevoir toutes les notifications. Et j'attends également vos retours dans l'espace commentaire concernant Badaku. Sur ce, n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao. Eh hey les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek. Ça a l'air super. Non, 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 non. Yeah.